Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore un jour de plus à cette rétrospective de Pascal Thomas, aujourd'hui avec un oursin dans la poche. On a comme tous les jours Pascal Thomas et Bernard Ménès qui vient présenter le film. Ce film qu'aujourd'hui on va voir en 35 mm, en copie, que pourtant elle est légèrement virée à l'orange. On va voir ce que ça donne, c'est la copie qu'on a réussi à obtenir. Et je donne la parole au réalisateur et à l'acteur de ce film. C'est un film qui a connu beaucoup de péripéties. C'est la plus visible aujourd'hui, c'est son titre, ça s'appelait « Parlez-moi d'argent ». C'est devenu un oursin dans la poche. L'idée, c'est de montrer deux personnes, l'une très riche, mais une avare, l'autre très généreuse, dans une aventure, une aventure théâtrale, de production théâtrale. L'un des personnages est inspiré d'une relation amie que j'avais à l'époque, qui était très 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 riche et très très avare. Je vais pas raconter des. Par exemple, quand il sortait une fille, il partait, il donnait rendez-vous chez sa mère, et il donnait des gâteaux coupe-faim. Donc comme ça, quand ils allaient au restaurant, la fille est pas faim, etc. Bon. Et il y en a des histoires comme ça, j'en ai. Alors, il y en a une aussi, parce que quand on manquait d'argent, il m'avait raccompagné à minuit aux Champs-Élysées, j'allais prendre un truc au drugstore, et là, je parle trop fort, ça va? Oui, comme ça. Je lui dis, ben voilà, il y a un producteur qui est parti, etc. Est-ce que tu peux, tu aimes le scénario, tu vas jouer dedans. Il fait la figuration dans le film. Tu vas jouer dedans, est-ce que tu veux pas financer une partie? Et à ce moment-là, il pleuvait beaucoup dehors, une odeur de scousse. Il transpirait, une odeur de sconce qui venait de son corps, qui m'a chassé de la voiture, et je n'ai plus jamais demandé. Ensuite, quand j'ai rappelé chez lui, il était parti en Angleterre, ensuite en Amérique, il est revenu la veille du tournage pour signer son contrat. Ben, ça, c'est l'anecdote. Parlez-moi d'argent, c'est un titre qui n'a pas plu, disons, aux producteurs, aux financiers, et je dis, mais pourquoi faut pas, il me disait, il ne faut pas mettre d'argent dans le titre. Et il me proposait un oursin dans la poche. Et pourquoi alors je demandais, est-ce mieux que parlez-moi d'argent? Il dit, ben, un oursin. Ou un oursin. Un oursin, comme un éléphant. Il venait de sortir un éléphant, ça trompe énormément. Donc pour eux, un titre qui portait un nom d'animal ou de bestiole, c'était plus fort que de mettre argent. Bon, ça c'est une des choses. L'autre problème qu'il y a eu, après je m'arrêterai, parce que c'est quand même assez cocasse, donc on commence par faire, on avait voulu faire un film à l'ancienne, avec des parties chantées. Il y avait Georges Tabet qui écrivait les paroles et la musique, etc. Bon, aussi un peu cosmo. Et on retourne au théâtre Montansier les deux premières semaines ou les trois premières semaines. Je crois que c'est à Antoine. Théâtre Antoine. Non, Montansier, c'est à Versailles. Ah, on a tourné à l'Antoine, moi je suis sûr. Non. On verra bien. Ah, on a tourné dans les deux. Peut-être. Non, peut-être, oui. Bon, ouais. Toujours est-il qu'on avait commencé par toutes les scènes musicales. Hein, et à caractère musical, chanter, danser, etc. Les producteurs, financiers, distributeurs, qui étaient alors au Festival de Cannes, reviennent et veulent voir les rushs. On passe tous les rushs. Ils sortent décomposés, vous voyez, comme dans un film américain où les financiers ont eu un spectacle navrant. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Pascal, qu'est-ce que vous avez fabriqué? Non, j'ai tourné le film. Mais c'est pas écrit dans le scénario. Non, il y a des petites lignes comme ça, mais il y a trois choses qu'on déteste au cinéma. C'est le chant, les danses et le théâtre. Vous avez trois semaines, donc à partir de là, ils ont réduit le tournage. Ils ont réduit le tournage, ils ont retiré trois semaines de tournage. Bon, au lieu de dire, bon, si c'est comme ça, je m'en vais, j'ai pas eu la présence d'esprit de le faire. Donc j'ai dit, oh, ça va s'arranger, j'ai toujours l'impression que les choses peuvent s'arranger. Donc, il y avait des scènes qui avaient été commencées mais pas finies.
je les avais doublés avec d'autres dialogues, etc. Bon, et on avait eu un film donc, de 8 semaines et demie qui a été tourné en 4 semaines et demie. Voilà. Donc le résultat, il est chaotique. Mais voilà. Il y en a que ça amuse. Voilà, à toi, Ménès. Moi, j'aime beaucoup le film. Bon, donc, c'est. Même que tu. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que mon personnage, parce que ce personnage riche et avare, c'est moi qui le fais, et c'est vraiment de la fiction, hein, c'est un personnage inventé. Voilà. C'est vrai, il est très généreux. Et puis. Avec Rosie, il a été parfait. Oui, ouais. Elle est venue, tu ne peux pas dire, t'es gêné, mais oui. Bon, tu as beaucoup aimé Rosier. Et ce film, moi j'ai beaucoup aimé, vous le verrez, la folie de Darry Cole, que je considère comme un des plus grands acteurs qu'on ait jamais eu en France. Et là, il montre toute sa folie, moi, ça me fait hurler de rire. Et puis, bon, j'ai un petit regret, c'est d'avoir été doublé au moment du chant. Bon, ça, parce que je ne crois pas en mes qualités de chanteur. Moi, j'ai pas d'oreille. Alors, je ne veux pas savoir si t'avais. Ah, si t'as pas d'oreille, je n'ai pas d'oreille. Et Georges Tabet, qui un jour nous a joué toutes les variétés depuis la Révolution. Oui, dans le foin avec le soleil sur tes mains. Voilà, Bon, je chante tous les soirs en ce moment. Je chante sur du Offenbach tous les soirs en scène et c'est applaudi tous les soirs. Alors, les gens pas beaucoup là. Les gens n'ont plus d'oreille. Bon, c'est pas grave. C'est pas l'essentiel du film. Et je trouve que le choix de Maurice Riche était une bonne idée pour parce qu'on était bien en opposition. Et sur Darry Cole, une anecdote, bon, qui était en effet un acteur très très riche, varié, amusant tout le temps. Et vous savez que les acteurs, soit il y en a qui gardent le scénario, il y en a qui découpent les scènes où ils se trouvent. Et Darry Cole, c'était plus particulier, il ne découpait que ses répliques. Par exemple, si la réplique c'était bonjour Darry, comment vas-tu? Bien. Il ne découpait que bien. Et donc, ça se retrouvait d'ailleurs dans son comportement, dans son jeu. Il a beaucoup de mal à être lié aux acteurs avec lesquels il joue. Dans la vie, ça va tout très bien, mais dans les scènes. C'est compliqué. Par exemple, dans le début de ce film, il est vendeur chez Paul Becher. Donc, il est commerçant. Donc, il doit trouver des liens, il doit en inventer avec ses clients. Vous voyez, il avait une difficulté énorme à créer ça. Mais bon, il y arrivait à la fin. Mais par contre, il partait dans des délires. Et je pense que Sacha Guitry a été impressionné par sa volubilité, son invention. Et puisqu'il lui a abandonné les scènes qu'il avait écrites. Il a retiré ce qu'il avait écrit et il a laissé Darry Cole improviser. Pas forcément improviser, mais oui, improviser. Voilà, donc c'est une des particularités de cet acteur extrêmement brillant et amusant. Moi, je l'avais vu, j'étais élève en cours d'art dramatique, j'avais vu en avant-première d'une pièce de théâtre, je ne sais plus laquelle. Et en fait, on était invité à voir une couturière, c'est avant que ça commence avec le public, et j'ai vu un Darry Cole qui ne savait absolument rien de son texte, qui improvisait n'importe quoi, et le lendemain, il était au taquet. C'était insensé. Alors, par contre, il avait un autre petit problème, c'est... C'est d'avoir gardé son téléphone et de ne pas l'avoir coupé. Voilà ce qu'il avait comme problème. Alors, je peux peut-être pas répondre. Hein. Voilà. Non, c'est bien, c'est sympa. C'est une blonde, Marie-Belle. Marie-Belle, c'est... Voilà. C'est une blonde. Vous allez être là. Dans une heure. Je voulais dire simplement qu'il avait un autre, c'était de notoriété publique, il était très porté sur le pastis. À cette époque-là, il était vraiment. Alors, normalement, les gens autour de son entourage faisaient attention qu'il ne se balade pas avec une flasque de pastis. En fait, il les cachait et il avait toujours près de lui
possibilité d'aller boire un petit coup dans une flasque, une petite flasque, mais pure, pastis pure. Hein. Voilà. Et ça le requin qui est comme de la cocaïne. Quoi. Oui, non, mais il y en a d'autres. Dans Pleure pas la bouche pleine, j'ai une scène où tout le monde était bourré. Ah. Il y a devant la caméra, derrière la caméra. Pas moi. Si. Non, pas toi. Ah bah non, 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 je suis bon. Pas dans c'est la le scène. Curé. C'est la scène du curé, oui. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Bon, allez, bon. On pourrait rester trop longtemps comme ça. Amusez-vous, essayez. Ben, surtout que je suis là, hein. Je reste okay. Moi, alors essayez, ça me fait plaisir. Allez, bonne soirée. Virginie qui joue dans le film et qui a suivi le chef. Je pars très vite après parce que je suis au théâtre. Il y a aussi Alain Bernard avec ses cheveux blancs, lève la main. Bravo. Il a une petite équipe. Je